Tu as un groupe ou un canal Telegram dans lequel tu aimerais avoir beaucoup plus de membres? Eh bien, je te montre comment ça se fait dans ce tutoriel. C'est parti! On va donc s'inscrire comme on le fait sur Telegram, c'est-à-dire qu'on va marquer notre numéro de téléphone et ensuite on recevra un code, soit par message, soit par une autre application Telegram qu'on entrera comme ci. Une fois que c'est fait, on se retrouve dans l'application où on nous donne 12 points gratuitement. On va donc checker les onglets qu'on a là comme Get Coins, Get Members, qui nous permettra d'envoyer des membres dans un groupe, et Get Views. On va tout de suite aller dans Get Coins et appuyer Join Channel, ce qui va nous faire joindre une chaîne ou un canal Telegram en échange de points. Si vous ne voulez pas passer votre temps à appuyer Join Channel, vous allez appuyer sur Auto Join. Et si vous serez connecté à des canaux automatiquement, comme vous pouvez le voir à cette image. Bien sûr, vous aurez certains problèmes vu que Telegram a une limite d'adhésion à des groupes en fonction d'un certain laps de temps. Si vous voulez plus de points, vous allez aller dans la roue de la fortune et gagner des points en la faisant tourner. Et ceci une fois par jour. Ou alors rejoindre la chaîne Telegram des auteurs et récupérer des codes pour avoir des points gratuits. On se retrouve donc quand j'aurai plus de points. Voilà, maintenant qu'on a suffisamment de points, on va aller sur l'onglet Get Members pour avoir plus de membres sur notre canal ou notre groupe. On va accepter, on marque I agree. Et on va chercher le lien de la chaîne où ajouter les membres. Ici, vous pouvez déjà voir toutes les chaînes auxquelles votre compte a souscrit via l'application. On va donc aller sur mon canal, like la vidéo. Et là, on n'a qu'un membre. On va copier directement le lien. Ici. Voilà. Et on va le mettre au niveau de l'application. Bien sûr, on va enlever le nom. Et on va appuyer sur Register. Avant ça, on peut choisir la catégorie, mais ça ne nous importe pas. Si le canal est OK, alors son nom sera marqué comme ici. On va donc mettre Confirm. OK, et là on va attendre que les membres arrivent petit à petit dans notre canal. Là on a un abonné, on va essayer d'actualiser le canal, 2 abonnés, et on revient quand les 50 abonnés seront dans le canal. Voilà, maintenant on a les 50 abonnés. Je vais leur envoyer un petit message yo. Et je vais vous les montrer, voilà, je vais montrer la liste des membres du canal pour que vous soyez sûr que ce n'est pas du fake. Ok, ils sont tous là. Donc c'était tout pour ce tutoriel, et si tu as un souci, n'hésite pas à le marquer en commentaire, je répondrai certainement. Sur ce, c'était MightyFay et on se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel si tu es abonné à la chaîne. Ciao.